به دونك ان شاء الله باش نبداو. دونك نبداو افيك بالطبيعه عندنا لا بروميير لا بروميير كيستيون اللي هي كيف ما تعرفوا كيو سي ام، تعرفوا اللي عندكم انتم لو كيو سي ام بالنسبه للباك هنا عندنا بور ليكزامان كو سو سوا ليكزامان تاع الكونترول والا ليكزامان في الدوفوار معناتها في الدوفوار دو سانتيز والا بالنسبه للباك برينسيبال. دونك عندنا لو كيو سي ام، لو كيو سي ام فيه بليزيور ايتام، هنا اخترنا لكم 5 ايتام، شاك ايتام فيه دي بروبوزيسيون واحده بركه باش تكون صحيحه. احنا اشاك فوا اون دوا شوازير la bonne proposition. Donc on doit cocher elle a choisi la bonne proposition ou بالطبيعة يلزمنا نعمل justification باش ناخذوا نوتنا كامله ب. Donc نبداو بالنسبه لل première proposition. Donc item الاولاني يحكي على la quantité de travail. Donc يقول لنا la hausse de la quantité de travail contribue à la croissance. Donc, احنا نعرفوا اللي la croissance économique هي elle provient de plusieurs sources. عندنا une croissance extensive et une croissance et une croissance intensive. بالنسبة للcroissance extensive, elle provient d'une augmentation de la quantité des facteurs travail et ou capital. معناتها le travail et le capital et la quantité نتاعهم تزيد. Donc, هنا يقول لي la hausse de la quantité de capital de travail pardon. La quantité de travail, elle est déterminée à la fois par la durée de travail et la population active, l'ensemble de personnes qui sont disponibles pour le travail. B. Donc, les propositions, la hausse de la quantité de travail contribue à la croissance uniquement par l'augmentation du nombre d'actifs, un nombre de la population active qui augmente. Il est parlé uniquement de Bailey. Ahna narfo eli andi qulna pop active ou durée. Donc uniquement il est traduit la proposition mais c'est pas. Deuxième proposition, il qulna car elle génère des gains de productivité. Donc la quantité de travail génère des gains. Ahna narfo eli les gains. Ils expliquent la croissance intensive, les gains de productivité et l'amélioration de l'efficacité des facteurs de production. Donc maintenant, j'aime être en relation avec la quantité du travail. Troisième proposition, à travers la baisse de la durée de travail. Donc, kif kif hnen rod beli qali baisse. Or, ena narf eli la hausse de la durée de travail, hiya eli elle contribue à la croissance économique. Autre proposition, en agissant directement sur l'offre de biens et services. Et par élimination, je me coule Eli. Proposition les trois premières déjà chauffées. Donc, par élimination, l'augmentation de la quantité de travail agit directement sur l'offre. Donc, benesba, l'item 1. La réponse correcte est la réponse D. Donc, la réponse et je l'encadre. Avant de faire la justification, ils aiment déjà la réponse B. Comment on va justifier? Donc, la justification, qui fait que je vais donc, on a une augmentation de la quantité de facteurs travail. Elle va augmenter le potentiel du travail. Tu as des capacités de production supplémentaires. Tu dis la quantité de travail, tu dis la population active, ou elle dit le nombre d'heures de travail. Donc, tu as des capacités de production. Les capacités de production qui sont bien, la production va augmenter. Ou elle va aller en action directe sur l'offre. Donc, je vais en parler. La hausse de la quantité de travail se traduit par un potentiel de travail supplémentaire et des capacités de production additionnelles. Ce qui augmente
directement. L'offre de biens et services. Et par conséquent, favorise la croissance. Donc, il est concernant le premier item. Donc, kifesh. Donc, la quantité de travail agit directement sur l'offre de biens et services. Nimshiu, l'item 2. Donc, Ali, si au cours d'une période donnée, des investissements additionnels, donc, il y a le facteur capital. Qui dit investissement, c'est l'augmentation du stock de capital. Donc, qui dit des investissements additionnels. Additionnels, maintenant supplémentaires, maintenant des investissements de plus. Donc, en fait, il s'agit de la variation de l'investissement. Donc, je vais mettre un espace, je vais mettre une réponse. Je vais comprendre de quoi il s'agit. Donc, les investissements additionnels, les delta I, réalisés dans un pays, sont de l'ordre, voilà, sont d'une valeur de 2500 unités monétaires. L'investissement supplémentaire, c'est-à-dire la variation de l'investissement au cours d'une période. Ces investissements additionnels entraînent des revenus supplémentaires. Kif-kif-kelmet revenus supplémentaires, biha-huni, la variation des revenus, delta Y. Donc, la variation des revenus, elle est de 12 500 unités monétaires. Donc, delta Y égale 12 500 unités monétaires. Donc, fait les données liées. On dit, atteint la variation de l'investissement, atteint la variation des revenus. Je dois me positionner. C'est une partie du cours. Donc, l'investissement contribue à la croissance économique. Il contribue à la croissance en augmentant la demande qui fait, car il a un effet multiplicateur sur les revenus. Donc, en troisième année, on a déjà évoqué ce point. L'effet multiplicateur de l'investissement sur les revenus a un impact sur la croissance économique. Il favorise la croissance. B. Je vous mets les propositions. Il y a un dit, dans cette économie, les ménages consacrent 80% de la croissance du revenu à augmenter la consommation. La proposition réveille. Donc, l'économie réveille, les ménages vont consacrer 80%, donc c'est un pourcentage réveille, de quoi? De l'augmentation du revenu, de la variation du revenu à augmenter la consommation. Donc, en fait, le pourcentage réveille, ce n'est autre que la propension marginale à consommer. Donc, il n'y a pas la propension marginale à consommer. Elle est de 80% ou elle est 0,8. Donc, il faut la calculer. Qui fait-je? On doit la calculer. Delta Y égale K fois delta I. La variation des revenus qui provient d'une variation de l'investissement, elle est K fois plus proportionnelle, elle est multipliée K fois avec K, jkounou, hawa, le multiplicateur d'investissement. B. Donc, on peut déterminer le cas dans notre cas, najmou est le multiplicateur d'investissement, nalqawa. Donc, on va inverser la formule, manata K égale delta Y sur delta I, c'est-à-dire 12 500 unités monétaires sur 2 500, c'est-à-dire 5. Donc, le multiplicateur d'investissement, il est égal à 5. B. Et de là, je peux déterminer la propension marginale à consommer. Qui fais-je? K égale 1 sur 1 moins PMC. Voilà, petit c, Z. Donc, comment on va faire ici? On va inverser kif-kif la formule, on va déterminer la PMC à partir de K, c'est-à-dire PMC égale 1 moins 1 sur K. Donc, elle est égale à 1
moins 1 sur 5. La PMC, elle est égale à 0,8, soit 80%. Donc, atteint une interprétation par le multiplicateur d'investissement, pardon, la propension marginale à consommer, le cas, elle est à 80%. Elle est صحيحة justement. Elle est la propension marginale à consommer, elle est de 80%, ou elle a 0,8. Donc, Honi, nous les propositions. Alors, on va aller sur la dit Fabto. Quand même, alors qui t'attend la proposition là, صحيحة. Dites quand même, et je vérifie. Donc, la deuxième proposition, fait le B, quali le multiplicateur d'investissement est d'une valeur de 0,2. Le cas, il est égal à 5, donc RALTA. La variation du revenu national au cours de cette période a entraîné une variation plus que proportionnelle d'investissement. Maneta, lorsque le revenu il a augmenté, il a eu pour conséquence une augmentation de l'investissement. Honi, c'est l'inverse. L'explication, elle est inversée. Au cours d'une période dans une économie, lorsque l'investissement augmente, il entraîne un accroissement des revenus plus que proportionnel. Donc, le revenu national va augmenter plus proportionnellement que la variation de l'investissement. Donc, la proposition est ma D. La propension marginale à épargner PMS égale 80%. Le PMS égale A moins PMC. Donc le PMS il est de 0,2, mouche 0,8. Maintenant, il est de 20%, mouche 80%. Donc avec allez, je rate la proposition. Toutes les propositions, les trois autres propositions, elles sont fausses. Donc avec allez, je Donc maintenant, c'est le choix intérieur de Donc Et la justification, c'est le calcul. Y a-t-il comme ça, quand je trouve les réponses. Donc, c'est bon, test en fait. Donc, il y a les réponses intérieures, comme vous avez très bien expliqué. Femme Bacha qui m'ont donné les bonnes réponses. Est-ce que vous m'écoutez? Sous toi, Vahwale. Très bien. Donc, vous pouvez commenter soit ici, donc, Ena, je suis en train de lire les commentaires en théacom, ou Ella Zedekif Kif, vous pouvez donner vos réponses. Ou je vous aide sur le live de la séance, sur la page Taqi sur Facebook, donc, et vous pouvez regarder le live et commenter en même temps. D'accord? Sinon, vous pouvez me commenter, Honi. Troisième item. Donc, la productivité globale des facteurs, la fameuse PGF. La PGF, la productivité globale des facteurs. Je n'ai à la PGF, un petit rappel oral de la PGF. Donc, la PGF, c'est la productivité qui m'a la productivité globale des facteurs. La productivité globale des facteurs, elle mesure, voilà, elle détermine l'efficacité des facteurs de production. Donc, qui en coule efficacité, la qualité, entre guillemets, des facteurs de production. Une augmentation de la quantité du travail et du capital, c'est la croissance économique. Dans ce cas, on parle de croissance extensive, mais on sait aussi que la productivité globale des facteurs explique une partie de la croissance économique qu'on appelle une croissance intensive. Donc, il y a une part de la croissance économique qui est expliquée par l'amélioration de l'efficacité des facteurs de production qu'on appelle PGF. B. Donc, la PGF, elle est source d'une croissance extensive.
Bien évidemment, l'explication, l'icône, on le fiera, toi, Eli, la PGF, au contraire, elle est source de croissance intensive et elle explique la part intensive de la croissance économique. Deuxième proposition, Kali, la PGF est déterminée par le nombre d'actifs et la durée de travail dans une économie. Qui coule nombre d'actifs et durée de travail dans une économie. Donc, la quantité du facteur travail. Or, le PGF, c'est l'efficacité du facteur travail, ce n'est pas la quantité du facteur travail. Donc, la proposition réveillée, elle n'est pas correcte. Troisième proposition, Kali, la PGF s'améliore à la suite de la valorisation du capital humain. Donc, Hine Orzulouli, la valorisation du capital humain, elle affecte la productivité globale des facteurs. Bien évidemment, donc, Hine, c'est la bonne réponse. La réponse C. Pourquoi? Parce que la PGF, elle est déterminée, elle est expliquée par plusieurs facteurs. Femme a des facteurs explicatifs, principalement le progrès technique. Donc, on intègre le progrès technique dans le processus de production. Avec un impact sur la productivité globale des facteurs. La valorisation du capital humain, c'est-à-dire les investissements dans l'homme, entre guillemets, l'homme avec un H majuscule, on investit dans l'être humain, dans la santé, l'éducation, la formation. Donc, ça va impacter positivement la productivité globale des facteurs. Ou bien, l'environnement, les dépenses en infrastructure, les conditions matériel, les conditions de travail, c'est-à-dire l'organisation de travail, et donc, ce sont des facteurs qui ont un effet sur la PGF. Donc, le facteur, valorisation du capital humain. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. La justification, elle donc, Anna, ta valorisation du capital humain. Donc, les investissements dans le capital humain. C'est-à-dire la santé, l'éducation, la formation, etc. Donc, les investissements dans tous ces domaines permettent d'avoir une main-d'œuvre. Ouais, elle a une population active. Ouais, elle a un effectif. Donc, elle a des travailleurs carrément. Donc, une main-d'œuvre en bonne santé. Plus qualifié. Mieux formé. Plus compétente. Le niveau de compétence va s'améliorer. Et donc, plus productif. Ce qui accroît la productivité globale des facteurs. Donc, on a expliqué comment les investissements dans les êtres humains, dans l'homme, augmentent la productivité globale des facteurs, la PGF. Et bien, n'est-ce pas le troisième item. B, chouchoufou, item 4. Alors, en 2020, le PIB nominal d'une économie est de 35 600 unitaires. Donc, réveillez la première donnée. Attendez, une donnée chiffrée. Dit pour une première année, le PIB nominal, vous n'y a? Je note les données à côté. Je note qui fait je note.
Et le montant de la FBCF est de 6408 unités monétaires. C'est quoi la FBCF? La FBCF, c'est la formation brute de capital fixe, c'est-à-dire les investissements réalisés dans une économie. Donc les investissements, tous les investissements réalisés dans une économie, qu'ils soient matériels, immatériels, privés, publics, les investissements... qu'ils soient nationaux et étrangers, mais ils ont mis kuno, t'as des investissements réalisés sur le territoire national, donc on parle de formation brute de capital fixe. Ben, donc la formation brute de capital fixe pour la même année, elle est de 6408 unités monétaires. Donc les deux données pour l'année 2020. T'as une deuxième année, sachant qu'en 2021, l'année suivante, le taux d'investissement est de l'ordre de 14,5%. Donc, attendez, le taux d'investissement, il mesure l'effort d'investissement, il est de 14,5%. C'est la part de l'investissement dans le PIB. Donc, taux d'investissement, c'est un indicateur qui va mesurer l'effort d'investissement réalisé par un pays. L'effort par le rapport entre investissement ou la FBCF et PIB nominal. Il se calcule par rapport au PIB nominal. B, donc, on y a un taux d'investissement en 2021. On peut le calculer en 2020. Donc, le Qali, il est de l'ordre de 14,5% en 2021 et le PIB nominal entre 2020 et 2021 a augmenté de 12%. Donc 12% indique que le taux de croissance du PIB nominal entre les deux années, le taux de croissance annuel. Donc il y a une quatrième donnée. Le TCA du PIB nominal, il est de 12%. Alors, 2020 annonce une phase d'expansion dans cette économie. B. Ahna, le PIB nominal entre deux années. Ahna, son taux de croissance. Ahna, les investissements entre les deux années. Donc, atteint l'investissement en 2020. Ahna, je me tâle à l'investissement en 2020. 21. Est-ce que c'est une phase d'expansion ou elle a de récession ou elle a de dépression? Le TCA du PIB réel. Ils aiment l'évolution annuelle du PIB réel. Le rythme de l'activité économique, le rythme d'augmentation du PIB. Donc le PIB, il augmente à quel rythme? Rythme accéléré, expansion. Rythme ralenti. Récession, ou elle a le PIB diminue, c'est une dépression. Ou c'est le PIB réel. On va étudier l'évolution du PIB réel. Or, Andy, PIB nominal entre deux années. Donc, est-ce que 2020, c'est une phase d'expansion où elle allait avec les données dont je dispose, avec les données que j'ai. Je ne peux pas dire si c'est une phase d'expansion en 2020. Donc, avec Alish, NGO. Ensuite, B. Le taux d'investissement augmente, pardon, car la FBCF s'accroît plus vite que le PIB entre 2020 et 2021. Allez, le taux d'investissement, il augmente. À la khatr, l'FBCF, il augmente plus vite que le PIB. Donc, je vais calculer le taux d'investissement en 2020 déjà. Est-ce qu'il augmente ou elle est? Je trouve le taux d'investissement initial. Rappelons que le taux d'investissement, FBCF sur PIB nominal, il se calcule par rapport au PIB nominal fois 100, c'est-à-dire 6408 sur 35600 fois 100. Bushnalkao, une valeur de 18%. Donc, taux d'investissement en 2021, il est égal à 18%. En 2021, en 2020, pardon. En 2021, taux d'investissement, il est de 14,5. Donc, taux d'investissement, il n'a pas augmenté, il a baissé.
Donc déjà, la proposition feignant, le taux d'investissement augmente. Le taux d'investissement, il a baissé, il n'a pas augmenté. Donc déjà, je ne sais pas. L'effort d'investissement. L'effort d'investissement, le taux d'investissement. L'effort d'investissement, il est mesuré par le taux d'investissement. Donc, effort d'investissement, ça signifie que c'est le taux d'investissement. Donc, l'effort d'investissement de cette économie diminue. Ce qui est le cas, le taux d'investissement, il diminue, car le PIB nominal et la FBCF et l'investissement suivent des évolutions opposées. Comment ça suit des évolutions opposées? PIB nominal, nous savons que c'est Z. Allez, mais donnez, le PIB nominal, Z de 12%. Donc, le PIB nominal, Z. Donc, le FBCF baisse. Avec le taux d'investissement, il a baissé. Mais je dois vérifier si le taux la FBCF, pardon, à l'investissement, est-ce qu'il a baissé entre 2020 et 2021? Donc, nous allons calculer l'investissement en 2021. L'investissement en 2020 a 6 408 unités monétaires. Qui fait que l'investissement en 2021. Nous avons un taux d'investissement en 2021. Où le PIB, kif kif, le PIB, Z de 12%. Donc, d'abord, on doit calculer le PIB. Donc, calculons d'abord. Je te fais monter les étapes. Le PIB en 2021. Je vais le PIB d'abord en 2021. Donc, nous avons Eli. Formule MTA, PIB 2021 à partir de la formule du taux de croissance. PIB 2021, c'est le PIB de l'année 2020 fois 1 plus taux de croissance sur 100. Donc, avec l'application numérique MTA, PIB 2021 égale 35 600 fois 1 plus 12 sur 100, c'est-à-dire 35 600 fois 1,12. Une valeur de 39 872 unités monétaires. Réveillez, بالنسبة للPIB. Donc, on dit la valeur du PIB en 2021. Tawa, je dois trouver l'investissement en 2021. Donc, le FBCF, il y a l'inconnu. Donc, elle est tout fait formule Heveya. Et là, je cherche la FBCF. Donc, qui fait chez le FBCF? Donc, la formation brute de capital fixe, il y a le taux d'investissement sur 100 fois le PIB. Donc, formation brute de capital fixe en 2021, c'est taux d'investissement, c'est une donnée, c'est 14,5% sur 100 fois 39 872. Formation brute de capital fixe en 2021, je n'en parlerai de 5 781,44 unités monétaires. Donc, effectivement, Choufou Eli, formation brute de capital fixe Kenneth, 6 000, c'est une donnée, elle est de 6 408, Taha Toilette 5 781, ou l'investissement Z, donc avec le taux d'investissement, il a baissé. Donc, il est juste Hakabshnablou, un petit commentaire. Bon, c'est le calcul, c'est notre justification. Mais quand même, Namlou, un petit commentaire. On n'est pas, c'est pas la matière, donc, ils aiment une façon de faire ce qu'on a fait. Donc, je vais vous dire la synthèse. Le taux d'investissement au cours de cette période. A baissé car le PIB nominal a augmenté alors que
la formation brute de capital fixe diminué. Ouais, elle a abaissé. Donc, c'est notre justification. B. Donc, on va passer. Donc, c'est. L'investissement en 2021, la proposition D, l'investissement en 2021 est de 4272. Ce n'est pas la bonne réponse. Donc, avec le calcul LINAG effectué, elle quitte la bonne réponse. Et donc, notre justification, c'est le calcul. Ensuite. Item 5, dernier item, fait le QCM interne. Alors, les gains de productivité réalisés, donc les gains de productivité réalisés au cours d'une période donnée. Donc, les gains de productivité, ces gains proviennent d'une amélioration de l'efficacité productive. Donc, lorsque la productivité globale des facteurs augmente, lorsque la PGF s'améliore, il y a ce qu'on appelle des gains de productivité. Donc, l'accroissement de la productivité de la PGF se traduit par des gains de productivité. Les gains, ils contribuent à la croissance économique. Pourquoi? Parce qu'ils vont profiter à plusieurs personnes. C'est-à-dire, les gains de productivité, ils vont bénéficier à l'entreprise elle-même, ils vont bénéficier aux consommateurs, aux travailleurs, à l'État, au pays tout entier. Donc, les gains de productivité seront partagés en rouleau. Plusieurs agents économiques, cette répartition y a un impact sur la croissance économique. B, donc, les gains de productivité réalisés au cours d'une période agissent sur la demande externe. Agissent, un impact sur la demande externe. La demande externe, je connais. Ce sont les exportations. C'est la demande de l'extérieur, exportation, qu'on va noter X, le symbole X. Donc, les exportations, c'est la demande de l'extérieur. Donc, est-ce que les gains de productivité agissent sur les exportations? Bien sûr qu'ils agissent sur les exportations. Les gains de productivité vont avoir un impact sur la compétitivité, prix d'une économie. C'est-à-dire, au cours d'une période donnée, lorsqu'il y a amélioration de l'efficacité productive et il y a des gains de productivité, ils génèrent une baisse des coûts de production. Quand il y a des gains de productivité, on a une baisse des coûts de production. Cette baisse des coûts de production se répercute sur les prix. Mais tu as l'entreprise qui va voir ses coûts de production baisser, elle va directement baisser ses prix de vente. Pourquoi? Pour mieux affronter la concurrence. Je vais jouir de la concurrence. Donc, il va y avoir une baisse des prix. Donc, cette baisse des prix, c'est une meilleure compétitivité prix des produits nationaux. Les produits nationaux deviennent moins chers. La compétitivité, donc, prix des entreprises s'améliore. Une hausse des exportations puisque la compétitivité prix s'améliore. Donc, la bonne réponse est la réponse A, née directement. Notre justification qui fait chouchou. Donc, on va expliquer que les gains de productivité améliorent la compétitivité prix. Donc, les gains de productivité réalisés au cours d'une période donnée permettent la baisse des coûts de production. Ce qui entraîne une baisse des prix. Donc, quand on baisse des cours, on a, donc ça va impacter les prix, ça va affecter les prix. Donc,
ce qui entraîne une baisse, une diminution des prix des biens et services, des produits nationaux, d'où une meilleure compétitivité. Prix, la compétitivité et la capacité à affronter la concurrence, à faire face à la concurrence en maintenant les parts de marché, voilà, en augmentant les parts de marché donc par rapport aux concurrents. Donc, une meilleure compétitivité, prix, et par conséquent, une hausse de la demande extérieure ou bien externe, c'est la même chose. Et il y a les exportations. D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, il y a, n'est-ce pas, le QCM interne. Donc, on a choisi toutes les propositions ou, bien, on a justifié nos choix. Et nous allons passer maintenant à l'exercice 2. La question 2. Donc, Anna. Pour la deuxième question, Anna a un tableau statistique qui présente des données relatives à l'économie tunisienne. Donc, Anna, au cours d'une période donnée, 2017 jusqu'à 2020, donc annuellement, Anna, pour chaque année, le PIB nominal en millions de dinars, le PIB réel en millions de dinars base 2015, c'est-à-dire le PIB réel est calculé à partir des prix de l'année de base, Anna, le déflateur du PIB et le TCA du PIB réel en pourcentage. Donc, on a dit plusieurs données relatives à chaque année qui matchent des valeurs qui manquent ou des valeurs soulignées, en gras ou soulignées. Et donc, comme bad, on va les interpréter. Donc, les données liées. On commence. Donc, dis-moi, chauffe-vous le tableau interne. Donc, avant de commencer, dis-moi, dans le tableau, chauffe-vous l'INS, chauffe-vous les statistiques liées à l'INS, pour nous savoir, fait les réponses intérieures, chan li comme données. Alors, donc, on nous demande d'abord de compléter le tableau, sachant que, donc, on va d'abord calculer, donc, faire un calcul, Kali a tani des données. Kali Eli, le taux de croissance annuel du PIB à prix courant. Rappelons que le PIB à prix courant, c'est le PIB nominal. On a fait le tableau, ça met le PIB nominal. Donc, ici, qui le PIB à prix courant, c'est le PIB nominal. Donc, le taux de croissance annuel du PIB à prix courant en 2020, il est égal à moins 3,759%. Donc, c'est une valeur négative. Et le PIB, il a baissé. En 2020, c'est par rapport à 2019. Donc, la période, PIB annuel, le TCA annuel, pardon, du PIB. Donc, c'est un taux de croissance annuel. En 2020, c'est par rapport à 2019. Il a baissé donc entre 2019 et 2020. Une deuxième donnée, Zeda, entre 2016 et 2017, 2016, c'est une année cachée, au cours de cette période, le coefficient multiplicateur du PIB en volume, kif-kif, rappelons, le PIB en volume, hawa le PIB réel. Donc, données, elles concernent le PIB réel. Ou données, elles concernent le PIB nominal. Mais le PIB réel entre 2016 et 2017 a un coefficient multiplicateur de 1,0224. Donc, Mouche a augmenté. Hein. C'est un coefficient multiplicateur de 1,0224. Donc, on va commencer donc par la première année. En 2017. Donc,
التسعير دو بي بي ريال انا ما عنديش. تبقى هو شنو قال لي؟ قال لي الكوفيسون مولتيبليكاتور دو بي بي او كور دو لا بيريود 16 17 il est de 1,0224. احنا on sait très bien que on peut déterminer le taux de croissance à partir du coefficient multiplicateur. Qui fait chaîner le taux de croissance annuel du PIB réel, il est égal au coefficient multiplicateur du PIB réel au cours de la même période. Les deux indicateurs sont pour la même période. Les deux indicateurs d'évolution, le taux de croissance ou le coefficient multiplicateur, ils doivent être calculés sur la même période. Donc, justement, le TCA du PIB réel en 2017, il est par rapport à 2016. Donc, c'est la même période que le coefficient multiplicateur. Donc, TCA du PIB réel, c'est le coefficient multiplicateur moins 1 fois 100. Donc, c'est une relation dont on dispose. Mais les formules, déjà, formule du TCA du PIB réel ou formule du coefficient multiplicateur, la relation réveillée. Donc, TCA du PIB réel égale 1,0 de 24. Moins 1 fois 100. TCA du PIB réel en 2017 égale 2,24%. Donc, c'est la première valeur de l'année 2017. Le taux de croissance, il est de 2,24%. Donc, on va noter ici la valeur. على خاطر احنا لي فالور نستحقو لها من بعد بوتيتر فما لي فالور اللي بوتيتر نستحق لها بوغ ان اوتر كالكول بي نمشيو توا للاني 2018. الحقيقه في 2018 عندنا بوكو دو فالور كي مانك دونك ما عندي كان لو بي بي نومينال باش نلقى ديفلاتور يزني بي بي ريال باش نلقى البي بي ريال بتاتر نستحق ديفلاتور دونك يزم عندي دو كونو باش نجم نطلع لا تخوازيام انكونو اللي هي نعرفو احنا بيسكو نعرفو لي البي بي نومينال سي لو بي بي ريال فوا ديفلاتور سور 100 دونك هذه بالنسبه للريلاسيون اللي عندنا بي دونك هوني شنو باش نعمل باش نشوفو 2019 ان فيت في 2019 شنو اللي عندي لو بي بي ريال ان 2019 il est calculé. Ah, ok. 96 508,03 millions de dinars. Ou andi, le TCA du PIB réel est 1,40. Le 1,40 il est calculé par rapport à 2018. Donc, c'est le TCA du PIB réel en 2019 par rapport à 2018. Donc, ahna honi, ahna PIB réel fi 2019. Ou andi le TCA du PIB réel entre 2019 et 2018. Orzrouline, je vais schématiser un peu les données, Liane. Donc, ahna, moshkolti le PIB réel fi 2018, inconnu. Le PIB réel en 2019, connu. Ou TCA, au cours de cette période, TCA du PIB réel en de 1,40%. Donc, je me parle la valeur du PIB réel en 2018. Qui fait donc, le PIB réel de l'année 2018, c'est le PIB réel de l'année 2019 sur 1 plus taux de croissance sur 100. Donc, on a inversé la formule du taux de croissance, en fait. Donc, PIB réel 2018 égale 96 508,03 sur 1 plus 1,4 sur 100. C'est-à-dire, étape par étape, ma nazerbouch fait la calculatrice, redoubena, bush ma n'amrouch une fausse manipulation, khatar sa'at, ma n'tanajmo hata, avec une fausse manipulation, t'nagem le résultat, y'a t'la ralt, ou t'nagem t'hsb bi hajet khrin, kif kif chikounou ralti. Donc il faut faire très attention. Donc, hne bush n'alqaou une valeur de 95 000. Mohamed Thabet, donc hne Thabet rouh ktra, 95 000. 175,57
millions de dinars sur 1,014. D'accord? B. V. Benesba, le PIB réel pour l'année 2018. Le PIB réel, sachant que ahna, on connaît le PIB nominal. Donc, né, je peux déterminer le déflateur. Donc, déflateur de la même année, c'est-à-dire de l'année 2018, c'est le rapport entre PIB nominal et PIB réel fois 100. Le déflateur, c'est un indicateur qui permet d'absorber, qui permet d'éliminer la hausse des prix du PIB nominal, de corriger, entre guillemets, le PIB nominal. Le PIB nominal, nafouhawa, il intègre l'effet prix. Donc, le déflateur, c'est l'indicateur qui va corriger, entre guillemets, le PIB nominal. B. Donc, l'application numérique. Donc, on dit 112 677,36 sur le PIB réel, il est de 95 175,57 fois 100. Et on trouve une valeur de 118, 38. Donc 118,38. Le déflateur ne prend pas d'unité. Donc il ne prend pas d'unité. Qu'est-ce qui nous reste fait la feuille 2018? On a le TCA du PIB réel. Donc le TCA du PIB réel en 2018, il se calcule par rapport à 2017. C'est le PIB réel en 2018 sur le PIB réel en 2017 moins 1. PIB réel en 2018 moins PIB réel en 2017 sur PIB réel en 2017 fois 100. Donc, je vais prendre l'application numérique. Donc, 95 175,57 sur 92 843,52 moins 1 fois 100. Et on trouve une valeur de 2,51%. Donc 2,51%. Donc je vais la noter ici. Tout à l'heure, on va avoir besoin surtout des TCA. Hachib, les TCA du PIB réel, vous allez comprendre pourquoi. B, en 2019, on a la valeur manquante déflateur qui marque un dit PIB nominal, un dit PIB réel, donc c'est le rapport entre PIB nominal et PIB réel. Je vais noter encore une fois la formule. Alors, Ahna, dans un examen, la formule, elle est notée une seule fois, mais c'est le chralina. Déjà, les formules, donc, nous écrivons plusieurs fois. Le déflateur de l'année 2019 égale 122,671,36 sur 96,508,03 fois 100. Et on trouve un déflateur qui est égal à 127,11. Il ne prend pas d'unité. Donc, pour l'année 2019, il y a une seule valeur. Puis, 2020, kif 2020, on a plusieurs valeurs qui manquent. Indiquer le déflateur, en fait. Les données, des données, plusieurs données, donc, il y a TCA du PIB nominal en 2020. Atteignez le taux de croissance annuel en fait du PIB nominal en 2020. Le taux de croissance annuel du PIB nominal en 2020, c'est par rapport à 2019. Donc, atteignez la valeur du taux de croissance, ne je mène un talaqadesh le PIB nominal en 2020. Donc, Sahid Kemelik. Alors,
en 2019. ديما نحطوا الاني نتاعنا كي يبدا عندنا بلوزيور بيي زاد كيف كيف نحط انا نخدم في انديكاتور كي كونسيرن كيل بيي كيل اني باش تكون خدمتي واضحه. دونك هنا يفو فيغ تري اتونسيون ما نبداوش هكاك نخدموا في لي انديكاتور ما نبداش الخدمه نتاعي بايجال خاطر لازمك تحط شنو قاعد تخدم. دونك يفو فيغ تري اتونسيون اي اتر ريغورو في الخدمه نتاعنا. دونك بالنسبه للبي بي نومينال en 2020 avec اول حاجه باش نلقاها vu كيف ما قلت لكم اللي عندي taux de croissance وعندي nominal في 2019. donc c'est le PIB nominal de l'année 2019 fois 1 plus le taux de croissance annuel du PIB sur 100, c'est-à-dire c'est une valeur négative en taux de croissance. Mais les cartes à ça, la valeur صحيحة. Donc, nous avons fait la calculatrice qui fait 122 671,36 fois. Et nous avons fois 1 moins 3,759 sur 100. Allez, je moi. C'est un taux négatif. Il a baissé. Donc, et je pense intermalt 1 plus 3,759. Donc, il faut faire très attention. Il a baissé. Le moins, on joue d'abord la valeur. Donc, il faut faire attention. Donc, le PIB nominal de l'année 2020, on va trouver une valeur de 118,060. Donc, c'est une valeur. Donc, la valeur début de période. On a là où la valeur fin de période. Donc, nous avons la valeur, la formule réveillée. Avec le taux de croissance. Donc, la valeur fin de période, la valeur début de période fois 1 plus taux de croissance sur 100. 14, pardon. Hein. B. Donc, بالنسبة للPIB nominal. لقيت الPIB nominal وعندي deflateur, je peux déterminer le PIB réel. Donc, PIB réel, كيف كيف الميثود معناتها la formule, احنا نعرفوها. On va inverser la formule. C'est le PIB nominal. لقيت الفورمول هذه تفسر لنا انت كيفاش تلقى النومينال. En fait, le déflateur, comme indicateur économique, il va permettre d'absorber, entre guillemets, هو باش ينحي لك الهوس دي بري. انت كي تقسم البي بي نومينال على ديفلاتور, on va trouver un PIB sans effet prix. Donc, هذاك نفهموا معناتها مليح علاش البي بي ريال نلقاوه كي نقسم بي بي نومينال سور ديفلاتور. Donc, l'application numérique, 118,060,14 sur 133,55 fois 100 et on trouve une valeur donc 88 401,35 millions de dinars. Ce sont des statistiques tunisiennes réelles, donc millions de dinars. Donc, هنا علاش حطيت موان؟ Donc, فما باش يسألوا فيا. قالوا لي علاش حطيت موان؟ رد بالك محمد نضربوا في فاسون. Donc, حطينا موان على خاطر لو بي بي إلا بيسي. لو بي بي وقت اللي إل ديمينو، لا فالور إل ديمينو. دونك أنت باش تلقى الفالور فينال باش تحط أنت الفورمول نفسها، سي لا فالور إنيسيال فوا 1 بلوس تو دو كروسانس سور 100. Or, inti hne plus moins, je dois aller plus moins 3,759. Donc, je dois aller moins 1 moins 3,759 sur 100. هذاك علاش باهي نحطوا لو موا ما نحطوش بلوس على خاطر راهو هنا عندك اون ديمينيسيون اون فالور نيجاتيف تاع تو دو كروسانس. واضح ولا هذا بالنسبه دونك للبي بي ريال. الوغ Donc, on a le TCA du PIB réel, et la valeur, fait tableau. Puis, bah, chaque calcul. Ouais. 2020, c'est la même formule. C'est le PIB réel en 2020 sur PIB réel en 2019 moins 1 fois 100. C'est-à-dire
كيف كيف راني انا جو سوي ان تران دو ريكريغ لي فورمول بور ميتر لاكسون سور لي فورمول ديفلاتور il est égal à 100 في l'année de base. Au cours de l'année de base, le déflateur il est égal à 100. Attends, on dit de nous faire أكثر عليه. وقت اللي on interprète عندنا une valeur du déflateur que nous allons interpréter. Attends, on dit de nous faire أكثر عليه. في l'année de base, le déflateur il est égal à 100. أما في les années الأخرين, راهو le déflateur مش forcément يكون égal 100. بالعكس, معناتها هو فيه فيه la hausse des prix. Il mesure la hausse des prix produits, la hausse des prix des biens qui sont intégré dans le PIB. Donc, le TCA du PIB réel en 2020, donc, l'application numérique interne, donc, 88 401,35 sur. Négatif, au nominal, tah, معناتها le réel, kif kif, il a baissé, puisque. Donc, une valeur de moins 8,8%. Donc, c'est une valeur négative qui est de moins 8,8. Enfin, je connais une autre valeur, donc il faut faire très attention. Rite d'autres valeurs. Donc, ça peut être comme qu'il a, donc, manipulation, donc, namlo, valeur du PIB en 2020 sur la valeur du PIB en 2019, qui m'en hapch n'estamel les parenthèses, donc, on hot égal, bad namel moins 1, on hot égal, bad namel fois 100. Ou bien, on utilise les parenthèses sur la calculatrice. B, donc, hine, bich n'hot la valeur, qui m'a qu'on comme à la khater, n'estahak bad les valeurs. Les interprétations, tawa. Donc, bich n'hot interprétation. Et nous allons commencer à interpréter les données soulignées, les valeurs soulignées. Donc, un dîner à haute valeur, PIB réel en millions de dinars. Donc, 92 843,52 millions de dinars. Et le PIB réel en Tunisie en 2017. Vous voyez, c'est la valeur du PIB. Cela signifie que, donc la signification, voilà l'interprétation, elle commence honi. Cela signifie que 92 843,52 millions de dinars est la valeur des richesses réellement créées. Un PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc, c'est la valeur des richesses réellement créées par les agents économiques résidant en Tunisie. Ben, c'est un PIB réel, donc je dois rajouter évalué à quel prix né, cette richesse évaluée au prix de l'année de base. Donc, richesse créée, c'est bien les prix de l'année de base. On l'a évalué au prix de l'année de base. Et il y a 2015. Il y a bien sûr la première interprétation. Ensuite, pour la deuxième interprétation, donc, on dit la valeur du PIB nominal, qu'il a donc une je note la valeur, 122 671,36 millions de dinars, et le PIB nominal en Tunisie en 2019, cela signifie que 122 671,36 millions de dinars est la valeur des richesses effectivement créées par les agents économiques résidant en Tunisie. Hey, qu'est-ce que je dois rajouter? C'est un PIB nominal. Donc, elle est évaluée au prix de l'année
en cours. L'évaluation s'arrête avec les prix de la même année, c'est-à-dire de l'année 2019. 2019. Donc, on a évalué leur richesse au prix de l'année 2019. Et concernant le PIB nominal. Ah, je n'ai pas compris la question à l'Arkika. PIB réel en 2018 égale PIB réel fois 0, bah, j'ai pas très bien compris. B, le déflateur. Oui, le déflateur. Le déflateur. Donc, le déflateur, qu'on a, c'est l'indicateur qui corrige le PIB nominal. Donc, le PIB et l'interprétation en linage. Donc, le déflateur, c'est l'indicateur qui va corriger le PIB nominal. Il va déflater, il va éliminer l'effet prix qui fait donc l'interprétation du déflateur. Donc, en quelle année? C'est le déflateur du PIB en Tunisie. En 2020, cela signifie que les prix, voilà le niveau des prix, le niveau général des prix, en Tunisie a augmenté de 33,55%. Qui fait Arman? Maneta, ahna rdina le PIB, ou nahina menou, rdina déflateur, pardon, ou nahina menou 100. Bishnajam nalkina l'évolution en pourcentage du niveau général des prix. Donc, le niveau général des prix, les prix des produits qui sont intégrés dans le PIB, les prix des produits qui sont mesurés dans le PIB. Donc, le niveau général des prix a augmenté de 33,55%. Entre parenthèses, qui fait chrina, donc c'est le déflateur moins 100. Donc, les prix, le niveau général des prix a augmenté de 33,55% entre l'évolution réveillée entre 2015, l'année de base, et 2020, l'année où il y a le déflateur. Donc, l'interprétation du déflateur. Donc, Ashraf, la formule le PIB 2018, mais je petit b, l'interprétation, pardon. Question plutôt 2. Question 2, Kali, repérer puis caractériser les phases du cycle économique en Tunisie au cours de cette période. Le repérage, il se fait dans le temps, entre les années. Les caractéristiques, donc pour chaque phase du cycle économique, on doit donner les principales caractéristiques. L'activité économique, la croissance, pardon, économique, c'est un phénomène cyclique. La croissance économique, elle passe par des mouvements qui se répètent, des mouvements répétitifs qui se succèdent et qui s'alternent, né au bout donc d'accélération et de ralentissement. Donc, on a des périodes où le niveau de l'activité économique connaît une augmentation rapide, d'autres périodes où le niveau de l'activité économique connaît une augmentation mais ralentie. Ou enfin, on a des périodes où le niveau de l'activité économique diminue. D'ailleurs, l'exemple. Donc, les mouvements de l'activité économique se répètent avec alternance. Le cycle économique et le cycle, il est composé de plusieurs phases. Le cycle économique. On étudie le TCA du PIB réel. Donc, le TCA du PIB réel, les différentes phases. Donc, fait le tableau. La dernière ligne du tableau, entre 2017 et 2018, le TCA du PIB, il a augmenté 2,24 ou à la 2,51. Donc, on dit une hausse. Le taux de croissance du PIB réel a augmenté. Donc, le PIB réel, il augmente de plus en plus rapidement. Ensuite, entre 2018 et 2019, on dit une baisse du TCA du PIB.
qui reste toutefois positif. Donc, le TCA du PIB diminue mais reste positif. Donc, fait le période FMA, une augmentation du PIB à un rythme ralenti, c'est la récession. Finalement, donc, entre 2019 et 2020, donc, FMA, un TCA qui diminue et qui devient négatif, c'est la dépression. Donc, le repérage d'année en année, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'activité économique à partir du TCA du PIB réel? Donc, on commence le repérage. Donc, entre 2017 et 2018, le TCA du PIB réel augmente en passant de 2,24%. Donc, il y a juste le repérage. À mané, où chauffe les phases. Bad cool phase, puis on a les caractéristiques bien. En passant de 2,24% à 2,51%. Donc, c'est une augmentation du TCA. On n'a pas de graphique, donc même le graphique, et où le graphique. Donc, il n'y a pas de graphique. Donc, à partir des valeurs dans le tableau. Donc, je peux en colo, je peux en colo, Ali, le PIB réel augmente de plus en plus rapidement c'est une expansion l'expansion il s'agit d'une accélération de l'activité économique. Il s'agit d'une accélération de l'activité économique les grandeurs économiques augmentent à un rythme de plus en plus accéléré, voilà, de plus en plus rapidement. De plus en plus vite, c'est un rythme. C'est une vitesse d'augmentation. Donc, c'est une phase ascendante du cycle économique. Ensuite, entre 2018 2019, le TCA du PIB réel diminue en passant de 2,51% à 1,40%. Il reste positif. Donc, c'est une récession. La récession, c'est quoi? C'est un ralentissement de l'activité économique. C'est un simple ralentissement. Qu'on prend le ralentissement, c'est-à-dire les grandeurs économiques augmentent, donc le PIB ne diminue pas au cours de cette phase, il augmente, mais de moins en moins vite. Ouais, elle a de moins en moins rapidement. Donc c'est une phase, pardon, descendante de l'activité économique. Voilà, du cycle économique. Finalement, entre 2019 et 2020,
20. Le TCA du PIB, il diminue et devient négatif. Le taux de croissance annuel du PIB réel diminue. Et devient négatif en passant de, dit Manati, où les valeurs, 1,40% à moins 8,8%. C'est une dépression. Qui est une contraction. Il s'agit d'une contraction de l'activité économique. Contraction, une baisse du niveau de l'activité économique. Au cours de laquelle, au cours de cette phase, les investissements chutent. Les faillites se multiplient, on a plusieurs faillites des entreprises. Le chômage augmente. Les indicateurs économiques, le sont à la baisse. Alors, concernant donc les différentes phases de l'activité économique. Ensuite, pour la troisième question, on nous demande, sachant que les TCA de la population en 2019 et 2020, on nous donne des taux de croissance annuels de la population. Donc, les TCA de la population en 2019 et en 2020 sont respectivement de 1,1% et 1,05%. On nous demande de calculer et d'interpréter les taux de croissance annuels du PIB réel par habitant, ensuite de justifier son évolution. Donc, à chaque fois, donc le TCA du PIB réel par habitant, et on va dire pourquoi le PIB réel par habitant, il a augmenté ou il a diminué. Donc, il y a les TCA de la population en 2019, en 2019 par rapport à 2018. TCA de la population en 2020, c'est par rapport à 2019. Donc, pour la troisième question, je vais donner les données. Donc, TCA de la population en 2019, il est de 1,1. TCA de la population en 2020, il est de 1,05%. Nous allons calculer le taux de croissance annuel du PIB par habitant. Le PIB par habitant, c'est un indicateur qui mesure le niveau de vie moyen de la population. Le PIB par habitant, ou le rapport entre PIB réel et population. Son taux de croissance. Quel est le PIB réel par habitant? Fait les 2 années. Donc, nous avons la valeur finale sur valeur initiale moins 1 fois 100. Ou bien, qui est le TCA du PIB réel. Le TCA de la POP, donc TCA du PIB réel par habitant, c'est le taux de croissance annuel du PIB réel moins le taux de croissance annuel de la population. Donc, TCA du PIB par habitant en 2019, Andine, TCA du PIB réel 1,40 moins 1,1, Pchnalkao 0,3%. Je vais interpréter ou expliquer en même temps. Donc, on dit une valeur positive. Donc, le PIB réel par habitant en Tunisie ou bien le niveau de vie moyen, Zedanajmokolo, ou bien le revenu moyen a augmenté de 0,3%. C'est une légère hausse. Entre 2018 et 2019. Voilà, en 2019 par rapport à 2018. Donc, il y a eu amélioration du niveau de vie moyen de la population. Niveau de vie, il s'est amélioré.
Je vais expliquer au fur et à mesure. Hein. Je vais expliquer en même temps. L'explication théorique qui fait que je tourne. En fait, tout l'évolution du niveau de vie, elle dépend de la croissance économique. Ta TCA du PIB réel liée à la croissance économique et la croissance démographique liée à TCA de la pop. Donc, le PIB réel, il a augmenté plus rapidement que la pop avec allège, le niveau de vie moyen s'est amélioré. Donc, explication, pardon. Donc, comment on va expliquer cette amélioration? S'explique par le fait que le PIB réel a augmenté plus rapidement que la population au cours de cette période. Et concernant la première année. B pour la deuxième année. Donc, né en 2020. Donc, par rapport à 2019, le TCA du PIB réel par habitant égal. La formule qu'on a, c'est le TCA du PIB moins TCA de la pop, donc moins 8,8 moins 1,05 nalqaou moins 9,85%. Donc, le résultat, donc c'est une valeur négative. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le PIB réel par habitant, le niveau de vie moyen. A diminué ou bien a baissé de 9,85% en 2020 par rapport à 2019. Donc, il roule en 2020 final, donc c'est par rapport à 2019. Donc, il y a eu détérioration ou bien dégradation du niveau de vie moyen de la population. Nous appauvrissement de la population, ou alors on fait cas amélioration, on enrichissement de la population. Donc, c'est une détérioration du niveau de vie moyen de la population en Tunisie. L'explication, l'explication réside dans le fait que le PIB il a baissé entre 2019 et 2020 alors que la population a augmenté. Donc, cette détérioration du niveau de vie moyen s'explique par le fait que le PIB réel a baissé en Tunisie au cours de cette période. Alors que la population a augmenté. Donc, né, achna au cours de la croissance, le niveau de vie peut se détériorer parce que le PIB réel augmente parfois moins rapidement que la pop. Mais le PIB réel, il n'a pas du tout augmenté, il a diminué. Donc, ils aiment dire le PIB réel, il a diminué alors que la population a augmenté entre 2019 et 2020. Ma femme l'a fait le PIB, donc mes aides, il a diminué alors que la population a augmenté. Donc, concernant le deuxième pardon, exercice, la deuxième question, et on va passer vite fait à la question 3. Donc, le PIB ou le pop, deux taux négatifs, il faut calculer, on chauffe.
كاين TCA du PIB par habitant plutôt positif. Donc, c'est une amélioration entre le PIB a baissé alors que la pop a baissé encore plus. Ou quel est le négatif? Le PIB, la population a baissé, mais le PIB a baissé encore plus. Achref. Ce qui est maintenant, c'est très rare de trouver un TCA du PIB, de la population négatif. Alors, pour la question 3. Donc, on a des statistiques qui présentent l'évolution annuelle moyenne du PIB et la contribution des facteurs de la productivité et de la productivité à la croissance économique de certains pays au cours de la période 1985 et 2010. Donc, pour trois pays, Italie, Belgique, Corée du Sud, on dit le taux de croissance annuelle moyen du PIB en pourcentage, on a la contribution du travail, du capital et de la PGF. Donc, tableau fille des valeurs qui manquent. Petit 1, allez justement compléter le tableau et interpréter les valeurs soulignées. Donc, les valeurs soulignées, 0,4, 0,2 et 6,1. Alors, donc, on va commencer par le calcul. Donc, je note petit 1 et je note le calcul. Arna, qu'est-ce qu'on sait comme relation? On sait que la croissance économique, qui est mesurée par le taux de croissance du PIB, elle provient à la fois de l'augmentation de la quantité des facteurs et d'une amélioration de leur efficacité. Donc, cette relation, on la traduit par la formule suivante. TC du PIB égale contribution du travail plus contribution du capital plus contribution de la PGF. Donc, une partie de la croissance économique est expliquée par l'augmentation, voilà, l'accumulation de la quantité des deux facteurs et une partie qui est expliquée par la PGF. Elle explique la part de la croissance intensive. B. Et donc, en Italie, contribution travail. Donc, contribution travail égale 1,4 moins, entre parenthèses, 0,8 plus 0,4 égale 0,2 points de pourcentage. Donc, l'unité est mouche pourcent, c'est une contribution. Donc, la contribution, il moussehma. En fait, la quantité du travail, zid, ça contribue à la croissance. Tsehem fil croissance. La quantité du capital, zid, tsehem fil croissance. Ou le PGF, tsehem fil croissance. Donc, les trois facteurs hédouma, les trois éléments hédouma ici, ils m'ont fait une croissance, fait l'augmentation du PIB. Donc, taux de croissance du PIB, pchikoun, en partie expliqué par l'augmentation du capital, en partie expliqué par l'augmentation du travail, ou en partie, il est expliqué par la PGF, l'amélioration de l'efficacité des facteurs. Donc, là où je parle contribution travail, donc, on dit la première formule, on va l'inverser. Ensuite, en Belgique, t'as. Donc, on cherche la formule que nous avons bien écrite, c'est-à-dire TC du PIB. Je vais vous donner la formule puisque Andy est donc, 0,2 plus 0,7 plus 1,4. Bushnell Kao. 2,3 redoublé comme Hné pour cent. Je suis en train de chercher le taux de croissance du PIB. Tawa, Bushnemchiu en Corée du Sud. Et la contribution du capital. Nafsa logique, la contribution du travail en Italie, c'est-à-dire 6,1, le taux de croissance du PIB, moins 0,6 plus 0,8. Et on trouve une valeur de 1,7 points de pourcentage. Donc, c'est 1,7. N'est-ce pas? Le calcul. Donc, contribution capitale. B. Les interprétations.
comment nous allons interpréter les valeurs soulignées. Donc, à chaque fois, Ena, je n'ai une valeur. Je vais faire une lecture, en fait. Que représente la valeur? Je vais faire une interprétation ou manière l'autre lecture. Et elle va me faciliter le. Ah, pardon. 0,6 plus 3,8. Et c'est comme ça. Ah, comme. Vous êtes attentif, hein? Donc, 0,6 plus 3,8. Mais alors, pour les interprétations, on va commencer par la PGF. Donc, 0,4, donc en Italie, 0,4 points de pourcentage et la contribution de la PGF à la croissance. C'est-à-dire, voilà, cela signifie que la PGF contribue par 0,4 points de pourcentage à l'augmentation du PIB. Et bien, ce n'est pas la première valeur. Donc, on interprète la première valeur. Ensuite, en Belgique, on dit contribution du travail. Donc, en Belgique, 0,2 est la contribution du travail à la croissance. Cela signifie que l'accumulation du travail ou bien l'augmentation de la quantité du travail, l'accumulation de ce facteur contribue par 0,2 point de pourcentage à la croissance économique en Belgique, bien entre la période 1985 et 2010. Finalement, pour la Corée du Sud, donc la Corée du Sud, donc Anna 6,1% et le TCAM du PIB en Corée du Sud. Cela signifie que c'est un taux de croissance. Donc, chauffe-eau signe d'abord. C'est un signe positif. Dit Mato qui fait on l'interprète. On chauffe-eau le signe. C'est un signe positif. Donc, c'est une augmentation. Augmentation de quoi? Du PIB. Donc, le PIB en Corée du Sud a augmenté. Comment il a augmenté? Il a augmenté annuellement, d'année en année, et en moyenne, au cours de cette période, chaque année, le PIB réel en moyenne a augmenté de 6,1% entre 1985 et 2010. En fait, هو مش كل عام بالضبط يزيد راهو ب 10,1. Ama taux de croissance annuel moyen, yatina l'évolution annuelle moyenne. Donc en moyenne chaque année le PIB il augmente par quel pourcentage? Donc هذه بالنسبة للبرومييغ كيستيون. Pour la deuxième question, on vous demande de déterminer la nature de la croissance, de dire la croissance, elle est quoi? Est-ce qu'elle est extensive ou intensive? Rouni, on doit calculer la part de la PGF dans le taux de croissance du PIB. Donc, Nabdeo, pour le premier pays, l'Italie, Tlabmani, l'Italie et la Corée du Sud. Donc, en Italie, Pnaxbou, la part de la PGF dans le TC du PIB, dans le taux de croissance du PIB, qui fait Schnarsboul par réveil, c'est la contribution de la PGF sur taux de croissance du PIB fois 100.
C'est une part en pourcentage. Donc, part PGF égale 0,4 sur 1,4 fois 100, une valeur de 28,57%. La valeur est bien, elle est inférieure à 50% en fait. On a le PGF, elle contribue à la croissance de 0,4. La part elle est de 28%. Donc, à quel moment l'accumulation du travail et du capital, c'est moins اكثر من النص اللي هما باش يساهموا ب 72% presque ولا 71,50%. دونك هنا لا كروسونس ايكونوميك الي بلوتو اكستنسيف ديجا. انا حتى كان ما عنديش البار نجم نقارن كونتريبيسيون ترافاي و كونتريبيسيون كابيتال بجيني 1 بوان و كونتريبيسيون بي جي اف 0.4. دونك الكونتريبيسيون دو ترافاي اي دو كابيتال باش تكون اكبر. اما بالبار جو معناتها نزيد ناكد انا. دونك هنا باش نقولوا الي لا croissance économique en Italie est plutôt extensive. Avec une autre couleur pour mettre l'accent sur ça, elle est plutôt extensive car l'accroissement du PIB provient essentiellement de l'augmentation de la quantité des facteurs. Veillez pour l'Italie. Ensuite, donc, هنا قارنت انا شفت حسبت البار نتاع البي جي اف دون لو تو دو كروسونس دو بي بي. لقيت لي البي جي اف ال كونتريبيو بار 28% دون لوغمونتاسيون دو بي بي. 28% اقل من نص. دونك المساهمة نتاع البرودكتيفيتي دي فاكتور المساهمة نتاعو في لوغمونتاسيون دو بي بي 28%. Donc, l'augmentation du PIB, elle provient essentiellement, l'axe GM, l'accumulation du travail et du capital. Les contributions, le travail, 0,2. Donc, le travail au capital qui est d'où, un point. C'est la croissance économique, un point. Le PGF, c'est 0,4 points. Donc, l'augmentation de la quantité du travail et du capital, c'est mettre accès à la croissance économique, avec car la croissance elle est plutôt extensive. Donc, Nimshi Ottawa en Corée du Sud. Pour la Corée du Sud, kif kif, je vais calculer la part de la PGF. Donc, par PGF égale 3,8 sur 6,1 fois 100. 62,29% ou à la virgule 30. Hine, elle est supérieure à 50%. Donc, Bechankolo Eli, au cours de cette période, en Corée du Sud, la croissance économique est plutôt intensive. Allez, elle est plutôt intensive. La croissance provient plus de la PGF, plus que de l'accumulation des facteurs. Donc, elle est plutôt intensive car la croissance économique provient essentiellement de l'amélioration de l'efficacité des facteurs et de leur combinaison. L'efficacité des facteurs de production, travail et capital et de leur combinaison. Donc, la PGF contribue plus. Donc,
Donc, à Belkis, donc la croissance intensive, c'est lorsque la croissance économique, elle provient de l'amélioration de l'efficacité des facteurs. Donc, femme a une part de la croissance économique, une part de l'augmentation du PIB qui provient surtout d'une amélioration de l'efficacité des facteurs. Le rendement, la productivité des deux facteurs, ça explique en partie l'augmentation du PIB. Ou lorsque les deux facteurs travail ou capital, leur quantité augmente, la quantité du travail augmente, et la quantité du capital augmente, le stock de capital augmente. Ça explique la croissance extensive. Donc, les statistiques sont claires. Quelle contribution de la quantité de travail, de la quantité de capital et de la PGF? احنا بالكونتريبيسيون ديجا نجمو نقارنو نلقاو اللي كونتريبيسيون تاع ترافاي والكابيتال اون ميم طون هنا بالنسبه للكوري عندي 0.6 ولقينا لا فالور اللي لقيناها بالنسبه للكابيتال هي 1.7 دونك مع بعضهم باش يجيوني 2.3 alors que le PGF c'est 3.8. Donc هذيك يخليني نقول elle est plutôt intensive. Donc نقارنو كي نحسب بين البار دو لا PGF دون لو تو دو كروسونس دو بي بي وقتها نقارن ان البار هذيك ب 50%. سي سيت بار est est supérieure à 50%, c'est une croissance plutôt intensive. Si la part de la PGF est inférieure à 50%, donc c'est une croissance qui est plutôt extensive. Donc, belle question, réveillée, que nous commençons à notre série. Donc, merci comme ça pour votre écoute, pour vos réponses. Inch'Allah, tu connais cette information, belle série. Nous allons avoir une ayamet fasléa. Haoulou, tu connais ton efficace et d'afin répartition ta wakt comme ou t'estralou ma talayamet virkadoul comme bush tâche en lié les devoirs de contrôle ou les synthèses de l'équipe qui j'ai à la web. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Yati comme Saha. Ou à la prochaine, Inch'Allah. La menace.